Bien le bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons Songs of Conquest avec la deuxième mission avec la baronnie de Lot. Le frère Hilar du Cercle Invisible entreprit de révéler l'œuvre de l'impératrice Aurelia et la raison du serment qu'elle fit naître au plus profond des monts argentés. Malheureusement, les sites anciens étaient contrôlés par la baronnie de Liens d'Argent et les érudits n'y étaient pas les bienvenus. Cependant, le savoir ne saurait souffrir d'aucune frontière et le frère Hilar était prêt à tout pour découvrir les secrets d'Aurelia. Bon, j'espère que vous avez bien mangé les amis, que vous profitez bien de cette soirée du dimanche. Moi j'ai chopé un coup de soleil en passant le Karcher et ça a commencé à me brûler sa mère pendant que je finissais mon repas. Ouf. Donc Piafine, merci, mais je vais peler comme un porc demain, je le sens. Le frère Hilar, thaumaturge du Cercle Invisible, se préparait à partir des expéditions du Mont Argenté, recherche d'anciens textes et de connaissances des temps d'Aurelia. Cette expédition avait nécessité des années de préparation, mais un nouveau contretemps était à prévoir. Le portail à ses côtés s'illumina, et Ambertina en sortit pour le rejoindre. Ma chère Ambertina, l'avez-vous trouvé? Me portez-vous le blason de la Légion? À grands frais, mais sans grands efforts. Ces bariens sont souvent prêts à tout si vous leur donnez suffisamment d'or. L'or ne vaut rien face au savoir. Si c'était si facile, pourquoi un tel retard? Je ne suis pas en retard, je viens de convaincre le baron de Lot de rejoindre le Cercle Invisible. Nous pouvons désormais mener nos recherches librement sur son territoire. Eh bien, c'est une bonne chose, félicitations. À présent, j'ai assez attendu. Remettez-moi le blason de la Légion et que je puisse commencer ma quête de savoir. Je commencerai les fouilles au Piton Gris, j'espère y trouver la tombe de Wiesh, le grand sénéchal d'Aurelia. Ensemble pour elle, frère Hilar. Oui, oui, pareillement. En guise de conclusion, Ambertina activa le portail et le franchit. Le frère Hilar pouvait enfin se consacrer pleinement à son expédition. Du coup, on joue à un nouveau perso, d'accord. Et il commence aussi avec Fourberry. Bon, bah d'accord. Et il a une spécialisation plus 5 PV aux rats et aux rats pestiférés. Alors, les rats, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Suivent désormais le serment par instinct parce qu'ils ont dévoré des os moulus d'assujettis brisés. Ah d'accord, en fait, les squelettes, ils sont asservis. Par magie, mais le fait de faire dévorer les os moulus à des rats, en fait, ça transfère le... D'accord. Pourquoi pas, ma foi, hein, pourquoi pas. On va faire deux groupes. Eh bien, objectif, frère Hilar doit survivre, c'est tout. D'accord. Bon, pas d'objectif, du moins pas pour le moment. Une grande statue d'un ancien guerrier gardait l'entrée des monts argentés. Eh bien, nous y voilà, mes amis à fourrure. Ces montagnes abritent les tombes de certaines de nos légions les plus célèbres, et je suis à deux doigts d'apprendre leurs secrets et de découvrir le travail des grands thaumaturges de l'Empire. Qu'en dites-vous? Quick, quick. Et j'espère que les légionnaires auront plus de conversations. Recueillir le savoir oublié. Recueillir le savoir oublié, 0 sur 10. D'un noble, il faut fouiller en fait. Ouais, tout. Oula, ah, il y a plein de choses à ramasser. C'est pas que des livres des tombes. Oula, il y a du monde sur la carte parce que pour qu'un tour ça mette autant de temps. Cultiste du premier col. Un groupe s'était formé, les cultistes chantaient un hymne à la gloire d'Aurelia. Salutations, frère Hilar. Ambertina nous a demandé de vous accompagner pour votre protection. Ma protection? Je bénéficiais déjà d'une protection adéquate. Ces rats m'obéissent comme s'ils avaient eux-mêmes prêté le serment. Comment est-ce possible? Je pensais que c'était évident. En nourrissant mes rats des eaux broyées des légionnaires d'Aurelia, j'ai transféré le pouvoir du serment à ces humbles créatures. C'est remarquable. C'est frustrant. Voilà ce que c'est. Je n'ai toujours pas compris comment utiliser le serment pour commander les morts. Comment pourrais-je les réveiller? Je suis certain que c'est ce qu'Aurelia entendait faire du serment, même si mes collègues en doutent les imbéciles. De qui parlez-vous donc, mon frère? Oh, vous êtes toujours là? Rejoignez-moi, vous pourrez suivre les rats. Ensemble pour elle.
Vous êtes toujours là. Non mais... Il s'agissait manifestement d'un relais ou d'une sorte de tour de guet, il n'en reste plus que des ruines. A votre avis, à quoi servaient ces ruines? J'ai pas l'intention de partager mes théories avec n'importe qui. J'effectue d'abord des recherches, puis j'y réfléchis. J'envisagerai peut-être ensuite de partager ce que j'ai appris avec le ciel. Car t'as l'air d'être relativement balèze quand même. Je vois qu'il y a une épée, j'aimerais bien la pécho. Ok, frère Heller et son groupe cherchaient l'entrée des cryptes. Une meute de loups hurlant s'approcha. Eh bien, les loups aiment les os. Je me demande si mon expérience fonctionnerait sur eux. Quick. Enfin, ce n'est pas le moment. Squeak, squeak, squeaken. Fureur, qu'est-ce que ça fait fureur déjà? Plus un déplacement des squads, plus 2 dégâts, moins 25 de défense. Okay. Et du coup, plus ça se fait taper, plus ça tape fort, mais plus ça crève vite. Parce que le malus de défense, il est vénère. Fourberie, hein. Le gain d'expérience, c'est pas méga utile en campagne. On est souvent bloqué par le niveau maximal sur le scénario. Bon, je l'ai pas maxé, mais voilà, il y a des missions, ça va être très très vite. Fauchon, plus 3 d'attaque. Ça, c'est normal, c'est pas pris. Les loups sont difficultés intéressantes, mais ils tombent oubliés. Aucun chemin possible. Fuck. On y reviendra plus tard. Tome d'un ancien tomature, je reposais sur un piédestal parfaitement préservé. Le texte illumina à l'approche d'Hilar. Regardez donc, mes amis à fourrure. Voici un exemple du grand pouvoir perdu des anciens tomaturges. Ces lutrins contiennent les écrits secrets d'un tomaturge pour les tomaturges à venir. Et dans ce cas, pour moi, n'est-ce pas astucieux? Nous les avons lus et étudiés à maintes reprises. Vous avez l'esprit étriqué et vous n'êtes pas thaumaturge. Si vous étiez un véritable érudit, vous auriez remarqué cette encoche sur le lutrin qui correspond exactement au blason que je porte. À présent, éloignez-vous et laissez-moi travailler. Squeak. Squeak, squeak, squeaker. Les volontaires des légions se sont présentés. Leur dévouement à l'avenir de l'Empire est une véritable source d'inspiration. L'impératrice Aurélia en personne était présente pour recevoir leur serment et les remercier pour leur sacrifice. Notre tâche commence pour de bon, Coral Porte-Milan. J'avais raison et ceci confirme ma théorie. Aurélia et ses thaumaturges étudiaient le serment avec les légions du Cimier Éternel, nouvellement formés au cœur même de ces montagnes. C'est dur de trouver des troupes. C'est une ville? C'est une petite colonie? Vallon du pin sombre. Niché entre les arbres, une lumière chaude et des bruits de fouilles guidèrent Hilar vers une petite colonie du cercle invisible. Salutations, mon frère. Nous vous attendions et avons commencé les fouilles à proximité. Fantastique. Qu'avez-vous trouvé? Quelque chose d'intéressant? De nombreuses personnes sont passées par ici. Les uns partageaient leurs connaissances tandis que les autres les gardaient précieusement. Ah! C'est là le propre des érudits. Nous voulons nous approprier chaque découverte. Je trouverai donc ceux-là qui refusent de partager leurs connaissances. Je leur arracherai le savoir. Ce savoir. Vous trouverez une autre colonie du cercle invisible au nord, repos de pierre. Je revendiquerai également. Quick. Enfin. Le manque de pierre. On peut rien recruter ici. Il y a un tas de pierres. Difficulté inconnue. Un tas de pierres ici.
croira, ça demande de la pierre. Ok. Cultiste à ramasser. Les cadeaux et des offrandes récents étaient éparpillés autour de cet ancien sanctuaire d'Aurélia. Aurélia, j'en appelle de nouveau à ton jugement. Je pensais que ton serment liait ton peuple à l'Empire, mais je crois désormais qu'ils sont liés à toi. Sinon, pourquoi Serra ne répondrait-il qu'à moi et à personne d'autre au sein du cercle? Selon ma théorie, puisque nous partageons le même sang, j'ai hérité une partie de toi qui régit le serment. Ce sanctuaire est comme tous les autres. Je reste sans réponse de ta part. Tous ces signaux au fil des années qui me poussaient dans ton sillage. Comme je me languis de pouvoir avoir une véritable conversation avec toi. Peu importe, je me débrouillerai tout seul. Plus accessible sans bataille. Genre, non, ici c'est du bois fait. Le monde gardien se file de l'XP. Non. J'ai du mal à me rappeler lequel file. Ah, mais le toxicologue ça demandait que du bois. Fuck. Soit amico. Je vais faire une save. Bonjour camarade, qu'avez-vous découvert ici? Il s'agit de notre découverte, si vous en saurez davantage lorsque nous publierons des ouvrages pour le reste du cercle. Quelle insolence! Ne savez-vous donc pas à quel point mon travail est important? Écartez-vous, je lâcherai mes rats. Ah, des rats! Très bien, ils n'ont pas mangé depuis quelques temps, vous ferez l'affaire aussi. Et ouais, retraite. Ok. Bien ce qui me semble, les bricoleurs de rien. Il va falloir que... Non mais en vrai, on va aller choper le bois, hein. Qui était au niveau des loups. Le bois, la pierre, pardon. J'ai pas pris le niveau. Bah, ça va en vrai. 26, 50 loups. 26, c'est minimum, parfait. Magie pas ouf, hein. C'est que des renforts d'essence, destruction d'essence, rien de fallubeux, hein. En termes de buff, dégâts, rien du tout. J'ai pas assez pire, mais non. Une carrière, j'attends pas 26 tours moi. Et se faire le temps qu'on recrute et qu'on fasse la construction. 3. Petit combat rapide, petit goût à la con. Commandement, s'il vous plaît. Ah bon. Ça commence aussi. Plus 6
pas de mec distance, donc autant équiper le falchion. Le falchion. Bon, clairement fourberie hein, indispensable. Vu comment t'enchaînes plein de combats dans ce jeu. Puis des combats qui se terminent relativement vite. C'est ça qui est important. Donc capturez certains de vos gars. Vous pouvez les récupérer contre de l'or. On les vendra aux bariens pour la prochaine fois qu'ils passeront par ici. Des bariens? Quand sont-ils passés dans les montagnes? C'est rare, mais parfois ils prennent des guides ou des esclaves. Intéressant. Présent, rendez-moi mes frères et sœurs et poursuivez votre chemin. Non, je pense qu'on va aussi vous mettre en cache. Ah, c'est bon, maintenant qu'on est les toxicologues. On a enfin une unité de distance. Mon dieu, ma nuque me crame la gueule. Au secours. Non! Ça a rajouté des sorts. Petit paquet de cultistes. Sur le milieu. Avec le bonus de fourberie sur les trois premiers rounds, ça doit faire. Parfait, il en reste un. Il va pouvoir buff en plus. Il m'a donné son essence. Oh là là, les dégâts que j'ai pris. Comment il m'a claqué le cul, le repère bandit, la vache. C'est vraiment de la daube. Eh ben, retournons la ville. Clairement, il n'y a pas le choix, là.
carrière 1. C'est bon, on a notre pierre. On va passer quelques tours. Histoire de vraiment dépenser à fond nos sous. Bon, là, tout est nettoyé. Ici, ça c'est déjà vu. Ah, nous avons été envoyés par les liens d'argent pour enquêter sur les perturbations récentes. C'est amusant, nous enquêtons également. Ainsi, vous découvrirez lors de votre enquête que nous enquêtons. Très amusant en effet. Quelles sont ces choses qui vous accompagnent? Voici mes fidèles rats, ils sont très dociles. Ces rats sont répugnants et dangereux. Vous ne pouvez pas partir avec, nous devons les abattre. Non. Entre les rats et les humains, ma décision est prise. Il faut vous abattre. Tellement le psychopathe, quoi. De toute façon, tant que je chope de l'or derrière ça, c'est worse. Et il bloque la crypte. Moyen. Moyen, c'est faisable, mais tu prends cher. Hein. C'est ça que ça veut dire, moyen. C'est poison. Trop trop bien les toxiques. On va équiper le pistolet. J'aurais déjà dû le faire avant. +9 d'attaque, +6 d'attaque. Fenrir demanda à ses disciples de retirer le couvercle d'une vieille tombe. Ils y trouvèrent les dépouilles d'une ancienne famille noble. Quand Fenrir s'approcha, le spectre des morts apparut. Lié par le serment. Qui nous appelle? Ah, c'est vrai, ils avaient les spectres. Mais c'était trop bon. Moi, j'ai prononcé le serment d'Aurelia, le cœur plein de foi. Dites-moi ce que vous savez du serment. Les thaumaturges en savent plus. Aurelia, c'est tout. Continuez vos recherches, thaumaturges. Nous ne savons pas grand-chose. Nous ne voulons que servir. J'en appelle au serment pour vous lier à moi, thaumaturge de l'Empire Ruiné. Nous servirons. Voilà qui est passionnant. Ah, si seulement toutes mes recherches étaient aussi faciles. Je dois donc découvrir où repose cette thaumaturge, ou même Aurélien en personne. Ok. Retourner en ville. Ah, c'est chiant de devoir faire du backtracking. J'ai pas le choix. Sinon, je me ferai casser le fiac. Je commence à avoir des spasmes musculaires. J'aurais pas dû blinder autant aujourd'hui. Et en niveau de distance, je vous prie, ne perturbez pas les travaux de la guilde des bricoleurs. La guilde des bricoleurs? J'en ai entendu parler. Qu'ont-ils découvert ici? S'effectuent des recherches sur les anciens relais dans le but de les repérer et d'en recréer de nouveau. Savent-ils quelle était leur raison d'être? Non, mais ils le découvriront lorsque nous les aurons réparés. Ah, j'en sais donc plus qu'eux. Vous serez alors utile à nos recherches, la guide des bricoleurs voudra vous interroger. Veuillez à présent rester calme et ne pas opposer de résistance.
Mais oui, bien sûr. Vos escouades obtiennent plus 1 de dégâts, vos escouades obtiennent plus 2 points de vie. Ah! Plus 1 de dégâts sur les races, ça peut être fou, donc on va prendre brutalité. La tranchée abandonnée et des outils épars indiquaient que quelqu'un avait entrepris d'exhumer la crypte, mais la porte de la crypte restait scellée. Ah, sans le blason des légions en leur possession, les portes ne sont pas ouvertes. Voyons si cela fonctionne. Oui, en effet. Fréla approcha de la crypte tout en récitant le serment. Le blason surmontant l'entrée de la crypte se mit à briller de plus en plus fort, tout comme le blason dans les mains du thaumaturge. Soudainement, la porte s'ouvrit à l'intérieur. Le bruissement des os se fit entendre. La silhouette cadavérique d'un vieux légionnaire apparut. Lié par le serment, lié pour revenir. Oui, je vous ai réveillé, je suis à la recherche du savoir des anciens de Wiege, de Coral et de l'impératrice Aurélia. Qu'en savez-vous? Lié par le serment, lié pour conquérir. Vous êtes lié à moi, je suis de son sang. Lié à elle, Coral porte-lumière. Malédiction, ceux-ci doivent avoir fait partie des premières expériences. Nous attendons ses ordres, mais elle est loin d'ici. Où est-elle? Sur Patriam, nous retournons à notre repos. Farilla pénétra dans les ruines de l'ancienne tour à la recherche de renseignements sur le bâtiment. Intéressant, il doit s'agir d'anciennes notes concernant l'entretien de ces structures, Ouran Kaïdaïn. C'est un fait. Les faits travaillaient donc de concert avec l'ancien empire. Cette téléportation aurait dû vibrer de puissance, mais pour une raison quelconque, elle était inactive. Il se passe. Un pot de pierre. Des membres du cercle invisible travaillaient dans une ferme ici. Mon frère, notre colonie est à votre service et a servi de base d'opération à de nombreux érudits. Où sont-ils maintenant? La plupart d'entre eux ont traversé la forêt des fées et ont poursuivi leur chemin à la recherche de connaissances sud-est. J'en ai entendu dire que des feux magiques brûlaient au nord-est. Est-ce toujours vrai? En effet, le chemin pour les contourner est long. Quelle aventure, des feux magiques, les anciennes légions s'adressant à nous, de petites fermes douillettes perchées dans les montagnes, autant de choses qui font la joie d'un homme. Ah yo, Kuxia, ça va bien? Tac, on va améliorer la colonie. Je propose de faire des toxicologues, parce que vraiment, ils sont trop bien les toxicologues. On va prendre du tisse-lune, juste au cas où. Ces ruines étaient désertes, le moindre objet de valeur avait été dérobé il y a 2 années. C'est étrange, les relais de puissance, on en trouve plein, il y a un drapeau qui est émis, mais il se passe rien. Peut-être faire une quête avec... Enfin, un camp de ressources. Nom de Dieu. Niveau troupe, c'est pas la folie. Je vais faire un point de ralliement et je vais revenir en arrière pour le coup. J'ai plus de sous, d'accord. Fuck. Ok, de charger avec la belle famille, j'ai pas eu de temps pour les streams. Mais au calme, mon train arrive là, je rentre chez moi. Ah! Ah, moi je n'ai plus à subir ce genre d'emmerde. Ah là là, le train.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le train. Je suis en train de tilter là. Mais ça se compte en années pour te dire à quel point ça fait longtemps. Parce que, comme je suis pas allé. Je suis pas allé sur Paname. Tu crois que la dernière fois que je suis allé à Paname. C'était avant le Covid, donc ouais, donc ça date de ouf. Et j'ai failli retourner à un événement loup-garou pour aller voir des potes justement sur Paname. Et en fait, c'est tombé un jour où il y avait déjà un événement, genre 10 minutes de chez moi. Je suis désolé, mais c'est plus proche quoi. Ouais, qui est intéressant, je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier ces créatures de près. Sans la mort, pas passé. Quelle rapidité, pourriez-vous parler plus lentement, je vous prie. Reviens jamais. Est-il dit mort, mauvaise. Quelle agressivité. Pouf. Vas-y, on est une armée de ouf. C'est ça, 2020, ouais. Ouais, donc, ouais. Et c'était même avant 2020, hein, parce que c'était arrivé. Ouais, je crois que la dernière fois que j'ai pris le train, ouais, ça datait genre mi-2019, quelque chose comme ça. Un autre lutrin à l'effet était donc bien allié à Aurelia. Je dois du moins supposer que c'était le cas. Mais c'est clair que moi j'y étais pas allé depuis. Les gens ils ont cru que je faisais la gueule par rapport au groupe du loup-garou d'ailleurs. Ouais. Parce que j'en ai fait pendant 2 ou 3 ans, je crois, du loup-garou. Dès qu'il y avait une partie, j'étais là. Je faisais le trajet et tout, j'avais trop la foi. Après, j'ai arrêté, je sais pas, ça m'a saoulé. Notre travail se poursuit dans le secret, mais nous progressons. Dernier assujetti que nous avons éveillé était incontrôlable et ont été détruits. Nous expérimentons une nouvelle version du serment et avons de grands espoirs quant à son succès. Puissant attaque, défense, déplacement. Waouh, ouais, les buffs sont vénères. J'ai des vieux spasmes musculaires, c'est horrible. Spasmes musculaires, coup de soleil. Oui. Méchant tomateur, je griffe à serre. Du calme, petits esprits. Pas calme, arrête la mort. Oula. Entre 51 et 99. C'est ça, j'ai stoppé d'un coup en fait, c'est ça qui a choqué plein de gens. Genre c'est sorti de mon système. Putain, les fées avaient une vitesse de déplacement complètement folle. Et en plus, ils jouent en premier. Mmh. Oh, 9 toxicologues. Oh, ok, sabotage. Tellement fort. Oh là là, c'est tout ce que j'ai perdu. Oh, pourtant, j'ai eu l'impression de les déchirer, mais quand ils sont arrivés au corps à corps. Putain, 13 toxicologues. Oh. 100% de dégâts plus une réponse. Ça, c'est bon, ça. Ouais, ça avait choqué plein de gens que j'arrête. Parce que c'était loin en fait. C'est. Oula, va falloir que je revienne en arrière. C'était loin en fait, je faisais des soirées qui duraient 4 heures, tu vois, de loup-garou, à peu près. Et après, il y avait un after et tout, donc les gens parlaient, on faisait d'autres trucs, tu vois. Putain, j'ai pas de thunes, c'est un truc de fou, même en jeu, j'ai pas de thunes. Après, j'ai un paquet de 100 rats, donc c'est pas mal. Et ouais, je faisais 3-4 heures de partie, et ensuite il y avait un after en général qui faisait 1-2 heures. Et j'ai fini par arrêter parce qu'en fait je faisais autant de transport que de fun. Et il y a un moment j'ai saturé au bout de 2 ans, ça m'a gonflé. Enfin, porter l'odeur de la mort. De la non-mort, à vrai dire, l'opposé de la mort. C'est inacceptable, nous écraserons. Je croyais que les faits, les humains étaient supposés être de bons amis. Alors on va camper là-haut. C'est ça, des fois on fait des overdoses quand on abuse trop d'un truc. Ça a l'air de marcher pour le relationnel aussi. On va attendre un tour.
Mais si c'était... genre, tu vois, on m'aurait dit... Attends, je one-shot le groupe 10. Ouais, let's go. On m'aurait dit, tu vois, on fait des loups-garous à 5 minutes de chez toi. J'aurais dit, vas-y, go. Sans hésiter. C'était vraiment le frein de la distance. Comment ça m'avait gonflé. C'était chiant. Je devais faire train. Attends, c'était train, métro, bus, métro. C'était une combinaison horrible. On se spé mêlé aux distances parce que les rats sont fun. Les toxicologues sont fous. Allez, vas-y. Ouais, j'ai complètement fait overdose. Je suis retombé seulement récemment dedans à cause des événements récents. Donc j'ai fini par renouer avec d'anciennes personnes. Où j'ai crevé une roue d'ailleurs pendant l'événement. C'était un événement annuel en plus, c'était genre quoi 30-40 minutes de chez moi. J'y suis allé, j'ai crevé une roue en arrivant. Moi j'essaie de me changer les idées, paf, je crève une roue, j'étais là, je suis putain, j'ai pas de chance dans ma vie, c'est un truc de ouf. Salutations, chers collègues, qu'avez-vous découvert? Vous avez combattu les cornus. Nous pouvions traverser leur bois librement jusque-là, mais plus maintenant par votre faute. Par ma faute? Je n'ai fait que me défendre. Les ignorants rejettent toujours la faute sur autrui. Faites place, rejoignez mes rangs ou contentez-vous de mourir de vieillesse. Nous avons fait cette découverte, vous ne passerez pas, nous avons gagné en puissance grâce au savoir ancestraux. C'en est assez de cette insolence. Non mais... c'est un fou le frère Hilar, c'est un fou. Le mec... tu sens il est chaotique neutre. Exactement comme dans Neverwinter. Alors le mausolée qu'il faut fouiller pour la quête... Ancien mausolée. Des outils avaient été abandonnés et la porte du mausolée présentait de nombreuses marques de des tentatives infructueuses des érudits pour l'ouvrir. Mon frère Hilar s'approcha, le blason des légions s'illumina et les portes s'ouvrirent. Une voix roqueuse se fit entendre à l'intérieur. Sénéchal. Qui porte le blason des légions? Vous n'êtes pas Coral. Je cherche le savoir des anciens, vous êtes de retour, mais voyons si votre esprit l'est aussi. Quel était le but du serment? Le serment nous contraint à préserver la paix, à protéger l'Empire et à le rebâtir s'il le faut. Elle nous a pas appelés et nous avons échoué. Nous avons dormi trop longtemps et nous sommes de trop peu. Le cercle invisible est à la recherche du savoir ancien pour rétablir l'Empire et nous refaire vivre cet âge d'or. Une noble cause. Nous nous rejoindrons à vous. Cependant, si vous cherchez le savoir, vous devrez trouver Aurelia. Ses plus proches alliés étaient supposés la ramener à la vie après sa mort. C'est tout ce que je sais d'elle. Ses plus proches alliés? C'est autre thaumaturge peut-être? Sénéchaud, des revenants du temple d'Aurélia prêts à lui obéir. Capacité renforcement. Confère une unité alliée dans une case plus 20 d'attaque, mêlée de distance plus 1 de dégâts. Furtivité ignore les zones de contrôle. Vide. Okay. C'est possible d'avoir encore d'autres unités bien plus effrayantes que les spectres et les sénéchauds. Les sénéchauds! Forestier de lien d'argent. Faites demi-tour, ces terres appartiennent au lien d'argent. C'est absurde. Avant d'être au lien d'argent, ces terres appartenaient à Aurélia et à l'Empire. Lorsqu'elle mourut, les liens d'argent sont apparus. Je ne sais rien de tout ça. Je sais qu'on ne vous laissera pas passer. Il y a déjà bien assez de votre engeance qui se promène par ici. Une route a été détruite. C'est horrible. Laissez-nous passer ou la situation va dégénérer. J'en ai assez de votre arrogance. C'est fou. Ouais, si on descend tout le monde. Que la purge commence. Je suis le savoir à grand coup de tome dans ta gueule. Groupe du cercle invisible. Thaumaturge, géant d'argent, essaie de mettre fin à nos recherches. Nous avons détruit la route au nord pour les empêcher de perturber notre travail. Je suppose que vous avez bien fait, rejoignez-nous. Oui, mon frère. Ah, enfin des gens conciliants. Enfin des gens qui ont de l'intelligence.
Le prototype de pistolet, on l'a déjà, du coup je vais prendre l'or. Easy le groupe, easy. Allez, niveau 11, Zébardi. Ce qui code de mêlée marche pas. C'est du confort, c'est pas du combat. Mais il y a une ville ici. Mais oui. Mais oui, il y a une ville. Dans le plus grand des calmes. Il a quoi comme troupe? Difficulté éprouvante. Fantassin, horde, ménestrel, peloton, sapeur, une pléthore sans plus. Ah. Voilà qui est fâcheux. Aïe. Sauf que moi, bah je vais perdre frère, et là, non t'es sérieux? Bah c'est foutu. Manuela lien d'argent. La bannière caractéristique de la baronnie la plus fortunée flottait au-dessus des troupes de Manuela lien d'argent. Encore des charnières, je n'ai pas besoin de ça. Avez-vous conscience des dégâts que vous avez causés? J'en ai plus qu'assez. Que voulez-vous dire? Je suis le frère, et là, un érudit. Je ne suis pas un charnière. Vous et vos semblables avez entrepris des fouilles dans nos terres et vous avez provoqué un éboulement qui a détruit la route. Des rochers tombent tout le temps. Si vous me laissez poursuivre mon expérience, nous aurons toute la main d'œuvre nécessaire pour reconstruire et réparer les routes. Je refuse. Vous paierez pour ces réparations lorsque j'aurai exterminé ces rats dégoûtants et que je vous aurai chassé, vous et vos partisans. Combattre, combattre, combattre. Vous autres nobles n'avez que ce mot à la bouche. Oh mon dieu, elle va tellement m'exploser le fiac, j'ai pas d'armée, va falloir que je charge. Non! Oh mon dieu! Il y a 120 sabres. Oh putain, j'ai aucune chance de win. Oh là là, vas-y, c'est loose. faudrait que je revienne quelques tours en arrière. Autosave de 22-36. Ah ouais, non, là c'est impossible. Là, ça me fait échouer la quête en plus, enfin la mission. Un chouïa plus en avant. Sinon, ça va être la zéro. Parce que là, c'était il y a très longtemps. On teste la zéro. Voilà, c'est toujours la dernière. Toujours la dernière. On est 3 autosaves. C'est la dernière qui me fallait. Voilà. Okay. Bon bah on recommence. C'est pas grave, je commence à avoir l'habitude. Faire des trucs à la chaîne comme un imbécile. Hein. Échouer, recommencer. Échouer, recommencer. C'est fatigant. Voilà, donc maintenant qu'on sait qu'il y a une ville là-bas, eh bien on va revenir. Là-bas. Oh putain, c'est... tellement loin. Mon dieu, le nombre de tours que ça va me prendre juste pour revenir à la ville, pour pouvoir recruter. Oh, OMG! Qu'est-ce qu'on peut lourder? On est obligé de passer par là. Attends, ici on peut pas, on est d'accord. On est obligé de passer par la droite. Ah oui! Alors attends, changement de plan dans ce cas. Je vais lourder les cultistes. Et les sénéchaux. Thank you.
On va y arriver, hein. Heureux que ça. C'est bon, tu es bien rentré chez toi. Tu es bien descendu du train. Tu rentres tard, hein, quand même, pour un... Même pour un dimanche. C'est plutôt tard. Hein. Du coup, t'as passé... t'as fait le pont. T'as fait le pont chez la belle famille. Ou t'as fait 2 jours. Putain, j'en reviens pas à toutes les troupes qu'il y a. Quoi. Faut que j'arrive à choper la ville, construire un point de ralliement et tout de suite recruter pour Mera. Faut que je tienne 2 tours. Construction ensuite. C'est bon. Eh ben le héros il devait pas être dans le coin parce que... Point de ralliement. On va attendre mon tour. Oh le timing. Oh le timing était lost. Et du coup, il est en quelle difficulté là? Allez, le dialogue on l'a déjà fait, hein. Je vais vous épargner ça. Elle est en moyenne. Ouais, on est rentré tard sur Lyon, j'ai pris le dernier train pour rentrer le week-end de 4 jours chez la belle famille. Putain, t'as de la patience. Hein. Putain que t'as de la patience. Hein. C'est vrai. Belle famille. Et moi, je les ai même pas vus. Je sais juste qu'ils ont... Ils ont activement participé à la rupture. Sans que je les vois. Ils ont jugé notre relation... Avant même que je les vois, du coup, je fais super la belle famille. Je les connais pas, ils me détestent déjà. Trop cool. Trop heureux, quoi. Le pire, c'est que j'étais trop content de juste les rencontrer, quoi. Je l'avais très mauvaise. Hors de portée. Alors, agression 1. C'est tout? Ah, mais putain, ils ont des boucliers. Ah, c'est la loose. Sa mère. Putain, les fantassins. Faut que j'envoie mes rats pour bouffer les fantassins. Vraiment. Bah ouais, mais bon, voilà, il y a des trucs. Ça ne se commande pas et clairement, c'est moi qui ai bouffé, quoi. Voilà, j'étais très heureux. Très heureux de la situation. Alors, destruction d'essence, lance mentale. On va faire une agression sur les rats et on va rentrer dans le tas. Parce que les fantassins, je les boufferai qu'avec les rats, hein. je me fais pas d'illusion. Je fais 0 dégâts de distance. Y a moyen qu'on gagne, hein. En vrai, si j'arrive à foutre des touches sur les connards là-haut. Faut que je me rapproche encore. Putain. Ah mais non, mais il m'a aveuglé. Ah putain. Alors, déplace les squads ciblés. Je me disais, je suis... Putain, la portée, elle est chier. Mais oui, c'est normal, hein. Sort d'aveuglement. Ouais, ouais, bah après, tu sais, ça joue, ce genre de choses. Et nous, on était tous les deux adultes, donc... Mais moi, ça m'a dégoûté parce que... On devait passer les vacances. Bah là, le mois de juillet, là. Je devais les rencontrer, en fait. Bah non seulement ils m'ont sapé une relation, mais ils m'ont sapé... Oh mon dieu, tous les rats! Oh putain de merde! Et les malus de défense... non seulement ils m'ont sapé une relation, mais ils m'ont niqué. Ah putain, quand tu te déplaces, ça réinflige des dégâts. Ah merde! Je pensais que ça infligeait que quand tu... Que quand tu restais dedans. Mais en plus, ils m'ont niqué mes vacances. Donc, ouais, je l'avais... Enfin, je l'avais. Je l'ai toujours méga mauvaise. Parce que bon, à la limite, qu'on me déteste une fois qu'on me connaît, je le vis très bien. Ah non, ça par contre, je vais mettre très très longtemps à le digérer. Hein. Agression, tac. Une petite déchirure pour faire du dégât. Putain, l'aveuglement, c'est... Ah, mais putain, j'étais dans sa zone de contrôle, fait chier. Bah c'est loose. C'est loose. Jamais je viderai tout ça. Hein.
groupe de... Oh, quoique, avec le poison... Putain, le groupe de 40, il est tellement vénère. Attends, je vais me déplacer grâce au sort. Ah ouais, petit 15 morts, là. Ils tirent qu'un tour sur deux, les sapeurs, de toute façon. Je peux faire le fou. Oh là là. Oh, les sorts, les aveuglements, les... Oh là là, 10 morts. Ouais, moi, je fais 2-3. Non, sérieux. Putain. Ouais, ça, j'ai déconné, quoi. Avec les rats, ouais. Ok, le problème, c'est que la... Non, mais la portée est éclatée au sol, hein. Le sort de... Non, mais je viens de faire charger, tu te fous de moi? Même pas défaite, comme si j'étais pas au courant, quoi. T'as vu, t'as perdu. Oui, merci, je suis au courant, c'est un peu pour ça que j'ai fait charger la partie FDP. Comment? Attends, je vais pas vendre la tour de garde, je vais vendre... Je vais vendre Bitoxico. Et je vais faire... Mais je suis trop con. Point de ralliement, j'ai déjà... Pourquoi j'ai fait ça? C'était une tour de garde que je voulais faire. Peut-être que ça... ça fera la diff. Et je recrute... Voilà, le deuxième groupe de rats. Clairement, ouais, les toxicologues, c'est pas ouf. Au pire, je mets en garnison une escouade de toxicologues et je re-recrute avec le point d'alignement. Alors, c'est que 66 rats, c'est pas un groupe de 100. Non, mais c'est trop ça. T'as vu, t'as perdu. Non, mais le truc... Non, mais c'est clair que la belle famille éclatée au sol, ça m'a... Ça m'a un peu saoulé. Et ils avaient eu beaucoup de traumas dans leur famille, donc pas spécialement étonné, voilà. Sans vouloir tout étaler, mais j'ai très très déçu en plus. Ils paraissaient très gentils, la belle famille. Voilà. Ils sont plus beaucoup, donc je m'attendais vraiment à. Est-ce qu'ils soient un peu plus accueillants, le fait qu'ils soient plus beaucoup? Mais le fait qu'ils soient plus beaucoup, en fait, je comprends pourquoi, moi aussi, je me serais cassé. Bon, je vous épargne les dialogues, des amis, hein, au bout de la troisième fois. Bon, plan très différent, cette fois. Les rats, faut qu'ils bouffent les fantassins, vraiment. Alors, une jolie hauteur, ici, on va en profiter. Parce que les fantassins... Attends, ils vont venir là, ok. Là, c'est clair, beaucoup de traumas dans leur famille. Beaucoup de traumas non résolus. Et moi de même, à juste titre, sauf que moi j'assume plus mes propres erreurs que celles des autres. Du coup, je le vis bien. Pourquoi ça fait si peu de dégâts? Qu'est-ce qui m'a fait comme malus? Calme. Ok, bon, autant que je me déplace, quitte à faire très peu de dégâts. C'est des sapeurs, hein, c'est des unités carrément moins fortes. Ouais, 8-14, même groupe. 8-14. Je pense que c'est ça, mais en fait... elle a dû raconter... elle a pas dû raconter tous les détails de la... De la prise... De la prise de bec, en fait... Elle a pas raconté tous les détails, en fait. Moi je suis sûr, c'est ça. Elle a pas dû raconter tous les détails de notre relation. Et résultat, elle a dû dire oh bah largue-le. Et puis, et bah elle a écouté. Et résultat, bah là, sans mort les doigts actuellement. Donc voilà. Donc le karma met plus de temps. Hein, mais... Ça y est. Elle est rentrée dans la phase où. À morfle, parce que moi j'ai morflé la première semaine un truc de fou, mais là c'est son tour. Donc voilà, donc intérêt de
intérêt d'en arriver là, bah zéro. C'était de la bite, hein, vraiment pour en arriver là, franchement ça avait pas le coup quoi. C'est pas grave, ce n'est que 3 ans et demi de relation à la poubelle, je le vis parfaitement bien, pas du tout. Et ouais, non mais je suis dégoûté. De toute façon je lui ai dit, hein, c'est pas comme si j'avais caché ou quoi que ce soit mon dégoût. Je lui ai dit, je suis dégoûté. On en aurait parlé. Ça serait jamais arrivé. On est trop cons, voilà. Et voilà. Donc du coup, bah je suis deg. Je suis deg, elle le sait. Moi j'ai chialé. Elle, pas vraiment assumé. Quoi que ce soit. Bon, classique, hein. Le largueur accuse tout sur le largué. Ça, je m'y attendais. Mais le coup de la famille, elle a mis du temps à me le dire avant qu'elle en parle. En mode ah oui, mais c'est parce que j'en ai parlé à mes amis, la famille et tout, ils ont tous eu une réaction bizarre. Et là tu fais, mais pourquoi t'as pas parlé avec moi en fait? Tu sais, genre c'est débile, genre tu fais, mais oh putain, meuf quoi. S'il y a bien un moment où faut parler avec quelqu'un, c'est là quoi, plutôt que d'en parler aux autres. Bon, on a enfin gagné ce combat de merde, sans vouloir partir à fond en mode session psy. Farina, les forces que vous commandez sont tout à fait inhabituelles et Serra obéit à vos ordres. Comment est-ce possible? Il s'agit d'une création originale. Je me suis inspiré du savoir d'ancien d'Aurelia et des travaux entrepris par ces thaumaturgissimes au pied des monts argentés. Vous m'impressionnez, le règne d'Aurelia fut un véritable âge d'or. Je me réjouis de son retour. Ce n'est que le début. Bientôt, nous serons en mesure de faire appel aux anciennes légions pour repousser tous ces bandits et ces bêtes farouches. Mais surtout, et si les thaumaturges d'antan pouvaient se relever et partager leurs secrets avec nous, pourraient-ils vraiment revenir avec leur connaissance et son jugement? Arléon pourrait retrouver paix et prospérité, est-ce vraiment possible? Tout à fait, je compte parmi les plus grands esprits que le monde ait jamais connus. Dit le gars qui vient de massacrer l'équivalent de 3 populations dans la dernière heure. S'il y a la moindre chance que cela soit vrai, j'y prendrai part. Je mettrai les ressources des liens d'argent au service de votre cause, ainsi que mon pouvoir de thaumaturge. Merveilleux! Cependant, pour être en mesure de commander ces créatures, vous devrez renouveler votre serment Aurelia. Je vous suggère de vous rendre au sanctuaire à l'extrême ouest, un membre du cercle invisible vous accompagnera. Ainsi que ce petit bonhomme, il est intelligent pour un rat. Je respecte depuis longtemps Aurelia et sa sagesse. Je prêterai serment en tant que thaumaturge au nom d'Aurelia, ensemble pour elle. Ensemble pour elle, c'est formidable. Ok, niveau 12, wow. Putain, le combat par contre était archi vénère. Hein. Bon, on va regrouper les rats sur 2 tas. Bah, y a plus d'or. Y a plus d'or. Ouais. Ouais, c'est sûr, mais c'est trop chiant parce que tu sais, quand tu te dis putain, mais jamais on en serait arrivé là. Et moi, je suis dégoûté parce que j'avais vraiment de très grands espoirs avec elle. En plus, ça allait être mes premières vacances en couple. J'étais trop hypé de ouf, hein, parce que moi, à chaque fois que je prévoyais des trucs avec des meufs, ça capotait. Du coup, j'étais trop hypé, tu vois, avec elle. Mes recherches m'ont appris qu'il s'agit d'une sorte d'amplificateur, mais pourquoi faire si seulement je pouvais comprendre comment il fonctionne? Quelle frustration. Ouais, du coup, je lui ai dit, je fais putain, bah tout ça on le fera jamais en fait, tout ce dont on a parlé. Donc j'avais extrêmement les boules. Je lui ai clairement fait savoir, donc bah aucun regret. Je ne suis pas resté silencieux ni de marbre, donc là je lui ai tout dit, mais bon, bah ce sera des trucs qui se feront pas quoi. Donc dégoûté, parce que franchement avec elle, j'y croyais dur comme fer. Franchement avec elle, j'étais là, je suis non. Franchement, vas-y, c'est bien pour une fois que y a de la converse, ça rigole, l'humour est là, on fait plein de jeux de société, on fait des jeux vidéo ensemble, je vais monter un PC et tout. J'ai fait plein de trucs avec cette meuf. On avait pris des photos en mode, mais vraiment mariage, des photos de couple qu'on avait pris dans un champ. Très bon souvenir, hein. Mais bon, voilà, elle a lâché le morceau, quoi, donc c'est... Bah tout ça, faut l'effacer, tu vois, et ça putain...
comment c'est dur, hein. Bah, franchement, faut ravaler tout ce que t'as dégueulé comme sentiment sur 3 ans et demi. Toi, t'es là, tu fais. Ah ouais. Non, mais je me suis toujours dit, hein, franchement, si ça marche pas avec elle, ça marchera avec personne. Et là, du coup, je fais. Donc, en fait, ça a été un double deuil. Hein. J'ai pas fait que le deuil de relation, j'ai fait deuil de ma vie amoureuse en même temps. Je fais. Ah putain, c'est foutu. Genre vraiment là, c'est foutu. C'est pas une question d'idéaliser l'ex et tout, mais. Ouais, non, je le savais déjà avant. Au moment où j'étais avec elle, je fais franchement, ça marche pas avec elle, ça marchera avec aucune autre, quoi. Manuela, lien d'argent, rejoignit le sanctuaire que lui avait indiqué le frère Hilaris. Elle s'y agenouilla et renouvela son serment au Rhaenyra. Si j'entends l'appel, le serment délivré, mon corps, mon âme, mon esprit à tes côtés. Pour Alion, Aurélia l'éternel, je prête serment, jamais ne mourrai. Elle va se transformer du coup. Aurélia, je suis à ton service avec ton savoir et ton jugement. Nous rétablirons l'Empire. Ce faisant, la paix et l'ordre régneront de nouveau sur ces terres. Oh putain, on gagne un héros. On gagne un thaumaturge. Mais non, elle se transforme pas parce qu'en fait, les gars qui rejoignent en fait les baronnies de Lot. Eh bien, ils restent humains, en fait. Les morts-vivants qui sont dans les baronnies de Lot, ce sont en fait des anciennes légions. Et en fait, ils sont devenus morts-vivants parce que le serment les empêche de mourir. Tout simplement. C'est ouf, hein. Ouais. Non, mais je sais que jamais on retourne ensemble, hein. Elle avait trop les boules et tout. De toute façon, pour quelqu'un arrive à te larguer, je veux dire. J'ose espérer qu'il y a une réflexion. Il y a eu une réflexion à un moment parce que. Voilà, quand j'ai demandé des comptes sans vouloir détailler à fond, même si je le fais très clairement en ce moment même. Ça a mis du temps à sortir, donc il a fallu que je tire un peu les verres du nez. Et ça m'a gavé parce qu'en général, quand on arrive là. T'es censé exactement quoi savoir, quoi dire à la personne, quelles sont les raisons et tout. Alors on va améliorer. Oh, les rapistifiés, 3600. Arrgh. Et du coup, ouais, non, j'ai dû tirer les verres du nez, très clairement. Ça m'a gavé. Ça m'a très clairement gavé de me dire que. Putain. Ouais, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Donc je suis assez saoulé. Mais ça, j'ai mis du temps déjà à le digérer et à le vivre. Parce que vraiment, merde. J'ai croyé dur comme fer avec elle, quoi. Donc ce qui n'était pas le cas du tout d'aucune de mes copines avant, où j'étais en mode ouais, vas-y, on voit. Tu sais, il y a des fois, enfin, je sais pas toi personnellement, mais moi en tout cas. Ça marche comme ça, il y a des meufs, tu sais, t'es avec, et puis tu te dis, ouais, bon, vas-y, on s'amuse et tout, ça continue, et puis, bah, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Avec elle, moi, j'étais en mode, je suis, non, c'est bon, ça va durer, quoi. Genre, je sais que ça marche. Et là, du coup, je suis, ok, d'accord, on m'a trop saoulé, quoi. Salutations, fait, j'ai entendu dire que vous étiez les plus intelligents de votre espèce, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Les miens ont péri, je le sens. Peut-être, mais que savez-vous de l'amitié entre Aurélia et les aînés des fées? Est-il Ernaline méprise Aurélia et sa trahison? Sa trahison? Ne le savez-vous donc pas? L'esprit d'Aurélia a terrassé notre grand roi Aerys Tamlin. Ah oui, c'est vrai, il y avait une histoire comme ça dans la première campagne. Dans sa mort, elle fut transformée en une horrible créature. Baliverne, j'ai ressenti sa présence, elle n'est pas torturée, il s'agit de ma grande tante. Enfin, grande. Vous êtes de son sang. Ok, là, ça va oublier. Ouais, du coup, ça gaffe de ouf parce que tu. Putain, j'étais chaud. Donc voilà, donc bah, de toute façon, bah on se parle plus, c'est horrible, hein, mais bon, là, je veux dire, si elle a décidé que je n'étais pas assez pour elle, bah je peux rien y faire, donc bah, je l'ai dans l'os, quoi. Donc, peut-être qu'elle changera d'avis, mais moi je suis dégoûté, hein, parce que. J'y tenais beaucoup, malgré toute cette histoire, j'y tiens toujours. Je peux pas effacer 3 ans et demi de relation comme ça. Je passe souvent pour un impassible bâtard sous tous les points de ma vie, mais là-dessus, j'ai. Ah non, là, je. Juste non, quoi.
Excellent, ce vieux légionnaire est déjà réanimé. Peut-être pourrais-je obtenir quelques informations. Eh bien, toi, comment es-tu arrivé ici? Lié par le serment. Oui, vous êtes prêté serment. Mais pourquoi êtes-vous là? Comment vous êtes-vous éveillé? Lié par le serment, lié pour garder. Pour garder? C'est une bonne chose. Cela signifie que quelque chose d'intéressant nous attend. Est-ce pour cela que vous restez toujours debout? Lié par le serment, lié pour garder. Cela ne mène à rien. Écartez-vous, je cherche des informations sur l'ancien serment et sur comment vous l'y avoir. Eh bien, dans ce cas, j'aurais pu n'y gaspiller des ressources, mais si vous persistez à vous mettre en travers de mon chemin, je devrais vous détruire. Ça va, ça risque d'être facile. Allez, alors, c'est les légionnaires qui ont des boucliers. Les assujettis, c'est juste les squelettes, c'est ça, hein. C'est ça. Putain, les rats EP, ils sont vraiment fous, quoi. Donc, ouais, gavé, hein, mais bon. Malheureusement... Bah, je sais que voilà, quand on arrive à larguer la personne, logiquement, t'as pris ta décision, même si je l'ai pas trouvé très... très clair, ni très... genre, on aurait dit que c'est... Elle savait pas elle-même vraiment les raisons et tout. Enfin, c'était bien de la merde. Parce qu'on aurait parlé, ce serait jamais arrivé. Donc, je l'ai un peu mauvaise de me dire... de résumer la relation sur cette phrase. On aurait parlé, ce serait jamais arrivé. Voilà. Parce que, bah, on m'a sapé une... On m'a sapé une relation. On s'est fait saper notre relation. Donc, ouais, un peu dégoûté de la vie, mais bon, bah, je peux rien y faire. Et puis, bah, c'est elle qui a choisi de couper. C'est elle qui a décidé de m'envoyer paître. Donc, j'étais pas assez pour elle. Donc, bah, moi, je peux rien y faire. Et là, elle est en train de rentrer dans la phase de regret parce qu'elle m'a. On a arrêté de se parler. Elle a tenté de m'envoyer des trucs et tout. J'ai pas répondu parce que je fais, mais en fait. Bah, t'as pris ta décision de merde, fais ton choix de merde, assume-le maintenant. Et puis, bah, reviendra. Parler, alors, ça sera peut-être dans 2 semaines, comme dans 6 ans. Seul Dieu le sait. Et puis, puis on fera le bilan. Et puis, avoir des vraies raisons cette fois. Puis bah voilà, hein, de toute façon, je pense avoir résumé la totalité de cette merde, parce que soyons honnêtes, c'était une merde, cette situation. Donc voilà. Donc ouais, très très dégoûté, je peux rien ajouter d'autre. Parce que cette meuf, j'y tenais vraiment, et en fait, à ma tête, comme si... genre ouais, comme si on avait une relation, tu sais, genre un mois, 2 mois, tu vois. Mais c'est fou, hein, parce que vraiment, j'avais message d'amour et tout 5 jours avant, j'étais là, je fais, mais il s'est passé quoi dans 5 jours? Que dalle, pas de réponse, donc j'étais là, je suis ok. Et elle a pas réfléchi et tout, elle devait être... en fait, elle a écouté ses émotions et pas sa logique. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Et dégoûté. Dégoûté. Bah, peut-être qu'elle fera une vraie prise de conscience, hein. Après, peut-être qu'elle va juste continuer sa life et totalement m'oublier, et ça, ça j'ai fini par l'accepter. Je suis de toute façon celle qu'elle choisit. Tant pis. Alors, nous sommes parvenus à répliquer le processus. Les légions marcheront éternellement. Le serment les appellera. Coral dressera des cryptes à travers Patrium. C'est la zone où on est. Je superviserai les travaux ici au cœur de l'Empire, et Aerith Ameline ressuscitera Aurelia. Ah, donc... Il a pas résisté Aurelia, lui, donc c'est lui qui a déconné. Ma tombe sera près du Piton Gris, et mes plus fidèles chercheurs reposeront au pied du mont d'Espoir, car ils sont les garants de notre avenir. Oui, je crois que c'est l'Empire. On est à 7 sur 10. Elle est grave longue, cette mission, en vrai, c'est ouf, quoi. Bah, j'ai pas tellement eu le choix, en fait, de passer ça à battre, parce que, de toute façon... T'as que 2 choix, hein. De toute façon, t'acceptes ou tu te tires une balle. Donc, bah voilà quoi, donc dégoûté. Alors, ce TP, je vais aller recruter avant de me TP. Parce que je vois qu'on a perdu pas mal de troupes. Et ouais, bah ça saoule quoi. Vraiment, je peux résumer que ça comme ça, parce que je peux rien y faire. Elle a pris sa décision de merde, donc... Une part de moi espère sincèrement qu'elle changera d'avis et qu'elle reviendra très vite. Même si j'y compte pas du tout, parce que... Je sais pas. De toute façon, je lui ai dit, je suis bon.
T'as pris ta décision, tu pardonneras jamais, blablabla, je sais très bien qu'on se remettra jamais ensemble. Donc, voilà. Donc, ça gave, hein. Ça arrache la gueule, mais bon, je fais bon, laisse tomber. Elle va se retrouver quelqu'un en quelques semaines, et moi, je serai comme un con avec... Avec mes sentiments, en mode putain, on a monté des meubles ensemble, on a fait des travaux et tout dans l'appart quand elle avait emménagé, et tout. Enfin genre tu vois, il y a plein de souvenirs de couple et bah t'es comme un con avec tes souvenirs et là tu fais mais en fait si je suis le seul à m'en rappeler bah ça sert à rien, ça reste un truc terriblement triste et pas un bon souvenir du coup. Et ça fait extrêmement mal à la gueule. Bon, les troupes sont revenues. Et le dessus, faut y aller par un TP en fait. Hein. Désolé, hein, la session de Songs of Conquest se transforme en thérapie de couple pour nos amis de la VOD. Hein. Sachez que ce n'était absolument pas le but. Eh bien, continuons pas. Tac. Mais bon, c'est vrai que ça va faire quoi, hein. Le pire, c'était la première semaine. C'est horrible, quoi. Pour celui qui se fait larguer la première semaine, c'est horrible. Celui qui largue, tu sais, c'est la libération le début, tu sais, c'est en mode genre c'est bon, le calvaire est fini et tout. Et je pense qu'elle rentre dans cette phase où la phase de culpabilité d'avoir tout bazardé pour un oui ou pour un non. Et puis elle va se rendre compte que ce soit dans 2 semaines ou 6 ans, comme j'ai dit, que c'est elle qui a pris la décision de tout couper, et ça va lui mettre du temps à travailler en mode j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû parler, parce que vraiment c'est de la merde, hein. Donc il y a vraiment une partie de moi qui espère que elle reviendra et on parlera cette fois et on fera mieux, même si j'y compte pas, quoi. Ça fait mal à la gueule. Alors, la route était détruite. Quelqu'un avait provoqué une énorme explosion qui avait entraîné un glissement de terrain empêchant tout passage. La fameuse route détruite. De derrière l'un des rochers, un cultiste couvert de suie apparut. Thaumaturge, mes camarades et moi avons pris l'initiative d'entraver tout passage ici. Rien d'argent s'oppose à notre quête de savoir et ne peuvent plus envoyer de renforts depuis leur fief. Ah, bravo, il n'y a rien de plus important que la connaissance. Les routes peuvent toujours être reconstruites. À ce propos... Je vous serais gré de bien vouloir dégager cette route, je dois me rendre au nord. La dégager? Cela prendra des mois? Autant commencer dès maintenant dans ce cas. Oui, Thomas Tranche. Attends, j'ai peut-être loupé un TP ou un truc super évident. Est-ce que moi je vois que de la montagne? Attends, il y a un portail violet rose. Violet rose. Ça se trouve, je l'ai zappé, hein. Il y a un bleu là, mais le bleu il ramène en haut à gauche. Attends, peut-être que si je dézoome, ce sera plus flagrant. Aucun chemin possible. Non, ici c'était Kieblo. Attends, je suis sans... Putain, je suis bigou ou quoi? Je suis censé aller où, quoi? Ouais, certains n'y arrivent pas, bah oui, mais bon. Hélas. Skate Tislun. Ah, moi j'avais pété un plomb, hein, quand elle me l'a annoncé. J'ai clairement pété un boulard, hein, avec la caisse. Hein. Born Aurelian. Eh, mais là par contre je vois. Attends, je vais passer mon tour, ça se trouve la route. Non. Merde, je suis censé aller où? Attends, parce que là on est d'accord. Là il y a un portail. Ah, de toute façon t'es obligé d'aller en bas à droite. Le portail te ramène ici. Ok, cool. Portail déjà exploré. 200 expériences, ouais. Crypte neutre. Parce que là il me manque un objectif qui est ici. Comment est-ce que je vais dans la partie nord? Putain, il y a un portail que j'ai pas dû... Que j'ai pas dû voir. Bah. Ah. Ah, là, c'est de la bite, par contre.
tribu Kéo, nous allons croulant. Mausolée, on l'a vidé. Tiens, j'ai oublié de prendre la charrette abandonnée. Forgeron, taverne. Tribu de la création. On arrive bien. What the fuck? Il me manque une info là! Oh! Le portail ici il est pété. Merde! Ouais! Aucun chemin possible. La route ici elle est Keblo. Attends, j'ai loupé une zone là, c'est pas possible! Putain, il y a un monstre ici. Let's go. Il y a un truc de... Une sorte de clé. Oh putain, de foutoir. Attends. Prendre le portail, voilà. Ici. Voilà. Ouais, ça, on n'a pas fait, voilà. Ça doit être le mec qui active le portail ou le prochain ou déblayer la route. C'est ça, expérience. Il parle le seul, il faut regarder. Je m'en doutais. N'avez donc rien d'autre à ajouter? Qu'est-il devenu d'Aurélia où se trouve sa dépouille? C'est bien dommage. Écoute, petit combat vite fait. C'est quoi ce truc? Clé de barrière magique verte. Voyez-vous ça? Ce mécanisme alimente probablement les flammes du repos de pierre. Quick. Oui, je dois faire attention, je ne devrais pas ouvrir le chemin avant d'être prêt à affronter les troupes du baron Lino d'Argent. Donc c'est ça là qui est... Ouais, c'est ça. Alors dans ce cas, je devrais faire... Cercle... Non. Attends. Comment est-ce qu'on faisait pour sortir... Libérer une automaturge défenseur. Non. Je vais amener des troupes là-bas. Et on va reprendre le portail. Ouais, donc qu'on commence pas à me dire t'as étalé ta vie personnelle, blablabla. Bah non, enfin oui, mais de toute façon la relation elle est finie. Et je sais qu'on retournera jamais ensemble à mon grand désarroi. Et que merde, attends, je suis trop con. J'aurais dû... Voilà ce que j'aurais dû faire. Tac, activer les flammes. Et de toute façon, elle a fait le choix d'en parler avec des gens qui étaient étrangers à notre couple, donc... bah les couilles, elle a cassé le secret bien avant que moi je le fasse. Donc moi c'était pour mon bien personnel de devoir en parler. C'est bon, c'est fait là? Ça brille plus. Attends, je vais vérifier. Ouais, let's go. Tac. Donc bah les couilles, vous pouvez me juger, il n'y a pas de souci, j'assume total. Bon, le cultiste solo là, on va le vire moi cette merde. Tac. Parce que elle peut mourir, donc je m'en fous. Parce que certes, il y a d'autres troupes. Il y a l'air d'avoir d'autres IA, de toute façon, pour que le personnage balance cette phrase, c'est qu'il y a forcément une IA de l'autre côté. Allez, là, on peut rejoindre. Notre tour détruite. Étrange, pourquoi sont-elles toutes en ruine? Quick. Serra ne se teste-t-il donc jamais? Oh là, c'est vachement dur à dire. Et voilà. La fratrie, le frère et la sœur se rencontrèrent sur le champ de bataille. Chère sœur, vos fréquentations ne me plaisent guère. Pourquoi vous dressez-vous donc contre moi? Cher frère, j'ai été témoin de la puissance d'un de ces érudits. Ils aspirent à l'ancienne gloire de l'Empire, une cause qui me semble noble. Qu'en est-il de notre noble baronnie? Nous sommes plus fortunés que toutes les autres baronnies. Bientôt, nous serons les plus puissants de tout Arléon. Seriez-vous prête à y renoncer à moi? Il s'agit là de cupidité et non de noblesse. Je suis navré, cher frère, j'aspire à une vie meilleure pour tous les citoyens d'Arléon. Je défends le cercle invisible, je défends rien.
Vous ferez considérer cette décision. Même votre mère Edith vous le dirait. Je refuse de lever l'épée contre ma famille. C'est elle qui m'a conté les histoires d'Aurélien. Libérez-vous de votre cupidité et rejoignez-vous. Nous pouvons créer ensemble un monde meilleur comme l'aurait voulu Aurélien. Aurélien est morte. Plutôt mourir que de céder la baronnie de lien d'argent à qui que ce soit. Ok. Difficulté moyenne en plus. Et il a des fantassins et également des chevaliers. Ok, let's go. Putain de merde. Putain de merde. Y a qu'un fantassin, easy game. Ok, one shot de toxicologue. Putain. Oh, j'en tue même pas un. Contrebas. Oh là là. Dieu. Oh, les chevaliers sont fous. J'ai tué que deux. Sérieusement? Oh les dégâts! Non, puis pas de vision troublée là. Oh mon dieu, mais il me one shot des paquets de toxicologues avec une trompe de chevalier! Il est niveau 13! Bah mon but c'est d'essayer de lui buter un maximum de chevaliers. Mon dieu. C'est bon, j'en ai retué un. Oh là là. Et bah heureusement que c'était pas mon armée principale. Putain, je lui ai tué que 8 chevaliers. OMG. En plus, il a gagné des niveaux. Oh là là. Oh, sa mère l'hypopète. Ouais. Donc, voilà. Désolé pour les bombes personnelles. Encore, je me suis pas trop étendu sur les détails. Enfin, du moins, je trouve... Il y a plusieurs héros en plus. Non. Après, mon objectif c'est faire les cryptes et de garder garder le frère en vie donc. Pas forcément besoin de tuer l'IA. Alors, comment est-ce qu'on monte? Parce que là, c'est un portail, en fait. Ok, c'est quoi ce truc dégueulasse? Difficulté intéressante. Mon dieu, mais il y a des légions. En fait, il y a l'air d'avoir beaucoup de villes. Très facile. Tant mieux s'il n'y a que des tours de garde. Je suis converti. C'est une grande colonie en plus. Aucun... Y a rien qui recrute, sérieusement? Je sais pas quelle est la difficulté. Excavation ancien. Ouais non mais là par contre lui je vais mettre du temps à le sortir. C'est fou quoi. C'est fou. Mais de toute façon j'ai pas de chance de manière générale dans ma vie, alors ce n'est qu'un truc de plus sincèrement. Dans le tas là, ça s'ajoute. S'ajoute avec le tas, quoi. Normalement, juillet, j'ai plein de trucs qui se terminent, des trucs qui m'emmerdent depuis...
presque 3-4 ans dans ma vie. Donc voilà. C'est pour ça que j'avais eu le soutien de mon ex à l'époque, donc ça allait. Elle m'a beaucoup aidé. De toute façon, je lui ai dit hein, qu'elle m'avait beaucoup aidé. Mais bon. Mais bon, bah voilà, hein, c'est finito donc. Bah merde. je peux juste dire ça, voilà. Mais ils nous ont quand même attaqué, hein. Ils sont le fond quand même. Oh mais non, il va faire la hâte, il va foncer là. Mais non, pas vision troublée, hein, c'est de la bite, putain. Le pire c'est que je suis juste passé mon tour avec lui. Et les chevaliers sont dingos quoi. Je suis allé au cac. Oh mon dieu, pourquoi je l'ai one shot? C'est parce qu'ils ont pris des dégâts. Et du coup ils sont buffés. Oh mon dieu, ah les rats. Oh les rats. Oh, les putains de scaven. Qu'elle elle a tout lourdé et qu'elle est déjà passée à autre chose malgré le fait qu'elle fasse le deuil en différé par rapport à moi. Donc, bien dégoûté de la vie quoi, que ça se termine sur une phrase aussi naze quoi. On aurait parlé, ce serait jamais arrivé. Bah ouais, bah écoute, bah fait chier quoi. Bah j'ai essayé en plus de rétablir le dialogue, donc du coup là-dessus j'ai aucun regret, j'ai essayé, voilà. Ça, c'est ce qui me... Je dors bien la nuit, étrangement, là-dessus. Par contre, elle, ça doit la bouffer, ouais. C'est... La connaissance, ça doit la bouffer. De toute façon, elle était irrationnelle. Je sais pas compris. Après sa défaite, le baron ordonna au reste de ses troupes de déposer les armes. Me permettrez-vous de me retirer dans mon domaine sur la côte? J'accepte. Peut-être reviendrez-vous à la raison une fois mes recherches terminées. J'en doute. Bon, c'est bon, lui il est dead. Donc maintenant on va pouvoir... pouvoir s'occuper de tout ça. Voilà. Et il m'a attaqué parce que c'était sa dernière ville. Bon, déjà on va faire un point de ralliement. Voilà, déjà pour commencer. Et on va lourder les toxicologues parce que... 4 groupes c'est trop. C'est clairement trop. Deux, c'est bien. Est-ce que je peux améliorer mes rats? Je ne pense pas. Parti full rat. Je peux encore recruter un paquet de sang en vrai. Je vais le faire. Voilà, de toute façon, on terminera tous tout seul, la gueule dans la boue. Et malheureusement, on peut compter que sur nous-mêmes. Déjà, la famille, des fois, c'est galère. Alors, même si c'est pour ça, quoi. C'est chaud, hein. Mais là, ça va, ça commence à rentrer. J'ai fait le deuil relation de manière générale dans ma vie. Je sais que c'est foutu, maintenant. Ça m'a pris du temps, mais bon, c'est bon, c'est rentré. Lié par le serment, lié pour garder. Je sers l'Empire et relire en tant que thaumaturge de l'Empire. Je vous ordonne de me suivre. Vous n'êtes pas elle. C'est bien. Où se trouve Aurélia? Nous l'avons perdue. Hors de mon chemin. Il parle seulement, il est pas gardien. Il ne faudra pas vous faciliter la tâche. Ah ouais. Non, là, j'ai d'autres problèmes actuellement. Là, c'est...
Là, c'est le Karcher qui. J'ai les bras qui tremblent vu que j'ai fait. J'ai vraiment fait toute la baraque avec le Karcher. Et j'ai du jus. Littéralement, hein. Du jus de. Je sais même pas comment dire, expliquer ce qui se passe. J'ai du jus de. Tu sais, l'eau dégueulasse, croupie, quand tu passes le Karcher, mais tu sais, vraiment noir dégueulasse. Eh bien, j'ai du jus de ça entre les rainures de mes ongles de doigts de pied. J'ai fait bain de pied, j'ai brossé, j'ai enlevé un maximum. Je suis toujours marqué. C'est dégueulasse. Donc, je me suis passé du produit anti-mycose et ce genre de merde, histoire de pas choper des saloperies, parce que je sais que je vais avoir le droit. Et c'est une horreur, parce que comme ça a été réduit en purée, ça bah, c'est rentré bah, dans là où il y avait de la peau quoi en fait, donc bah, les rainures comme ça, sauf que c'est sur les pieds, c'est génial, j'adore ma vie. Et donc j'ai ça comme problème, comme j'ai crevé une roue, bah, j'ai toujours le problème de je suis en roue de secours. Les rats sont fous, vraiment les rats. OMG, je suis en train de péter des légions là. Comme si c'était des vieux squelettes dégueulasses. Donc voilà, en ce moment, ouais, c'est pas mal chaudard avec la chaîne de Fire, c'est génial. IRL, c'est bien du fun, voilà. Mais ça a toujours été le cas de manière générale. Mais là c'est vrai que là, c'est... Là, ça fait beaucoup, quand même. Je suis très patient comme mec, mais ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc demain, ça... Ça faisait une semaine et demie que j'attends les pneus qui arrivent. Parce que bah oui, comme j'ai crevé, bah. J'ai crevé sur le flanc du pneu, hein, sinon c'est pas juste. Tu sais, t'as. Parce que bon, quand tu crèves un pneu, en fait, tu peux mettre une mèche et tout, et tu peux scier. Tu peux scier et puis tu mets une mèche, tu roules un peu et puis ça s'écrase et hop, tu répares ton pneu comme ça avec une mèche. Pour ceux qui n'ont jamais fait de mécanique, ça se passe comme ça. Et donc ton pneu, tu peux lui donner une seconde vie. Ouais, non, ça a crevé sur le flanc, donc je déteste ma vie, c'est un truc de ouf. Et donc bah faut payer les pneus, et le pognon c'est déjà un peu chaud en ce moment, et là, j'ai payé combien 260 balles là, pour deux pneus. Je suis là, je fais ah, putain. Cette ruine a renfermé de nombreux textes, mais un seul était encore lisible. J'attends toujours son retour depuis trop longtemps. Je me rendrai dans la tendre Sylve pour comprendre ce qui empêche Aerith Tamlin d'accomplir son devoir. Je suis et resterai jamais Salam. Ok, à savoir bien. Voici mes dernières volontés. À ma mort, apporter ma dépouille à mon plus fidèle serviteur Aerith Tamlin au cœur de la tendre Sylve. Impératrice Aurelia. Ah, donc il a jamais pu la... Il n'a jamais pu la régner en fait. Si on se recrute. Attends. Est-ce que disponible? Il est à le point d'arrivée. Pouf! C'est des petits rats. C'est con qu'on puisse pas améliorer. Parce que là, j'avoue que j'aurais kiffé avoir les rats pestiférés. En vrai, on va aller un peu farm, au cas où on rejoue ce perso, parce que ça arrive souvent qu'il réutilise le même perso. On va prendre un maximum d'XP, si je trouve les ennemis adéquats. Parce que c'est vrai que la zone est très vide de ce côté. En même temps, il y avait l'IA, aussi un champ de bataille. Il y avait l'IA, donc en fait, je crois qu'ils ont tout pris. En termes de monstres, je parle. Non! Les spectres portant des robes d'anciens érudits émergèrent du cimetière en balançant leurs encensoirs toujours incandescents. Voilà qui est prometteur. Salutations, chers camarades, je suis moi-même un érudit du cercle invisible. Perdu, elle est perdue. Pourquoi ne ressentons-nous pas sa présence? Nous sommes à sa recherche. Que pouvez-vous nous dire de son désir de préserver les légions, de servir l'Empire? Tout ne s'est pas passé comme prévu. Sa présence est requise pour le serment. Un soulèvement a éclaté. Les Zedras l'ont-ils enlevé? Ah, les Zedras, c'était les dragons. C'était les hommes... Les hommes serpents, là, je m'en souviens. Très fan de la campagne. Les Zedras, qui sont-ils? Seigneur dragon dans les grenouilleux. Voilà, c'était ça. Les grenouilleux étaient les serviteurs.
Zindra, je vous commande de me servir et nous trouverons. Mais c'est trop ça, hein, je jute, hein, littéralement. Quelle découverte, mais je crois que nous devons retrouver des thaumaturges défunts et avec un peu de chance, Aurélie elle-même. Pensez-vous que nous pourrions leur parler? Il semble qu'ils aient tous prêté une sorte de serment, et si leurs esprits sont préservés, alors nous pourrons peut-être y parvenir. Je crois cependant que nous avons besoin d'Aurélia pour animer les autres thaumaturges. Il semble bien. Tiens, la décision est prise. Vous et moi, nous rentrons sur Patriarme à la recherche des Zedra. Peut-être ont-ils volé l'artefact sacré des sangs d'Aurélia. Peut-être pourrons-nous lui parler par ce biais. Ils sont sûrement en sa possession. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Qui d'autre pourrait en vouloir à Aurélia? Ces thaumaturges et les faits avaient pour objectif de lui rendre la vie. Ce ne peut être que ses ennemis les aidera. Le docteur Marjata, une collègue, se trouve actuellement sur Patriarme, mais elle mène des recherches sur un cratère. Et c'est peut-être où trouver les aidera. Je lui enverrai un message. Qu'en est-il des thaumaturges? Ne devrions-nous pas les chercher? Ambertina est déjà à la recherche de la tombe de Wiesh et a envoyé des membres du cercle dans la tendre sylve pour en apprendre davantage sur le roi des fées. Eric Emeline. Je suggère un autre thaumaturge pour cette tâche. Rodrigue de Lotte a le sens de la diplomatie. Les fées n'apprécient guère les intrus. Et votre cercle invisible ne ferait que les contrarier. Une idée tout à fait surprenante et pertinente. Qu'il en soit ainsi, je m'occupe de tout. Pendant que vous préparez notre expédition pour Patriarme. C'est bon? Et c'est good. Oh, let's go. Ah, putain. Mais c'est ça, je jute. Alors, en fait, j'ai pas de jus, mais c'est juste, en fait, ça a pénétré dans des sections... terriblement difficile d'accès sur ton corps. Et genre, je me suis fait mal, hein, parce que quand j'ai enlevé le maximum, mais genre, j'ai l'impression de m'arracher de la chair. Hein. C'est horrible comme sensation. T'es obligé d'en laisser. De toute façon, genre, ferai une session douche-brossage, parce que c'est vraiment horrible. Hein. Bon, par contre, la baraque a changé de couleur. Hein, vraiment, la cour... La cour, l'entrée, les deux portails, absolument. Allez, les escaliers, l'allée et tout, vraiment. Ça a changé de couleur. On est passé du noir pur à un beige très clair. Victoire, après avoir découvert tout ce qu'il y avait à savoir dans les monts argentés, le cercle invisible était désormais à la recherche des cendres d'Aurélia. Une urne au pouvoir immense. Grâce à l'urne, ils espéraient pouvoir dialoguer avec la puissante impératrice et ainsi connaître son plan. Donc on joue vraiment, en fait, le groupe de nécros qui cherche à réanimer Aurélia. Séquence scénarisée de fin de mission. Tu sais, c'est un peu la petite récompense, tu sais, c'est un peu comme les cartes de cul dans Witcher, tu sais, ça te récompense, c'est pas mal. Bon, eh bien les amis, désolé pour cette session psy sur les recherches de l'érudit, hein. C'était pas que des recherches sur l'érudit, c'était aussi des recherches sur l'introspection Fire. Ouais, en tout cas, ces deux dernières semaines m'ont fait énormément réfléchir sur ma vie de façon générale, parce qu'il y avait déjà des choses qui duraient depuis 4 ans bien avant Madame, hein, bien évidemment. Et il y a aussi un autre événement qui est arrivé il y a un mois dans ma famille, il y a eu un décès, et du coup bah, ça fait beaucoup de choses. Tout ça, ce n'est pas réglé, tout ça, tout est en même temps. Je suis aussi au prud'homme pour une autre affaire de salaire impayé. J'ai énormément de choses qui sont encore dans ma vie, donc
désolé si on a divagué sur cet unique épisode. J'ai toujours été capable de maintenir une attention stricte en fait sur le jeu vidéo. Mais là, ça m'a canné. Hein. C'est pour ça en fait j'avais arrêté de streamer pendant plus d'une semaine en fait. J'ai arrêté de streamer. J'ai recommencé à avoir envie de jouer. Ouais, 8, 9, 10 jours à peu près, le temps que l'envie revienne, parce que j'arrivais même pas à jouer, j'arrivais pas à me concentrer, je m'énervais. Et du coup, quand c'est parti, j'étais là, je suis bon, bah écoute, je pense que le pire est passé. Et de toute façon, je vais mettre bien plus. Je vais mettre un temps fou à m'en remettre. Ça m'a détruit. Hein. Vraiment, ça m'a détruit la gueule. Donc voilà, ce n'était absolument pas voulu. Sachez-le, hein, l'arrêt de 2 semaines était justifié, hein, c'était évidemment personnel. Parce que bon, j'adore les jeux, moi perso, c'est une vie, hein. C'est une vie, hein. De toute façon, le jeu de manière générale, hein, pas que jeu vidéo, pas que jeu de société, le jeu de manière générale, c'est une place importante dans ma vie, comme beaucoup d'hommes, j'imagine. Et c'est vrai que ouais, j'ai divagué de ouf plusieurs fois. Pour pas dire la quasi-totalité de la session. Donc voilà, mes excuses, hein, c'était absolument pas voulu. J'arrive toujours à séparer d'habitude, mais là, c'était trop là. C'était trop les 2 dernières semaines, hein, c'était chaud quoi. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite session sur Song of Conquest et également la deuxième vidéo sur la mission 2, plutôt, pardon, sur la troisième campagne, vous aura plu. C'était la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous et je vous dis naturellement ciao à la prochaine! La bise! Voilà. Et puis pour nous, amis du...